Ben, je vous remercie d'être venu pour mon anniversaire. J'ai 30 ans. Je sais, ça ne se voit pas, mais je suis né il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais très mince, très barbu. Je venais de passer 628 jours, c'est long, au bout de 2 mètres de chaîne, ce qui est court. Ma libération, c'est une seconde naissance. 30 ans, c'est le bel âge. C'est au moins le temps qu'il faut, c'est l'âge qu'il faut avoir pour commencer à raconter une histoire qui a du mal à vouloir se dire. Vous l'avez compris, je vais vous parler de liberté ou d'absence de liberté. J'ai cette chance-là. Il y a toujours moyen de poser, de négocier ou de renégocier les limites de sa liberté et de sa dignité. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule bien que les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Cela veut dire que l'homme ne peut traiter l'homme, c'est-à-dire lui-même ou un autre, comme étant un moyen, mais comme une fin. C'est précisément cela que consiste sa dignité. C'est notre identité même, c'est notre ADN. Ce n'est pas négociable. En fait, j'aimerais vous parler de dignité. Depuis que l'homme s'est mis debout, il s'est inscrit dans une longue quête de dignité. La libération de Nelson Mandela, par exemple, à la fin de l'esclavage, que de combats à mener. Le vote des femmes, la parité homme-femme, la fin du travail pour les enfants de 12 ans dans les mines, sont autant de petits cailloux blancs sur notre chemin. La démocratie est quand même ce que nous avons inventer de mieux pour vivre ensemble, n'est-ce pas? Elle est la garante de notre liberté. La liberté en démocratie, évidemment, c'est plus facile. Mais je vous le redis, il y a toujours moyen de poser, de négocier ou de renégocier les limites de sa liberté et de sa dignité. Comme reporter, j'ai connu beaucoup de pays en guerre, le Rwanda, le Kosovo, la Somalie, la Bosnie, le Liban, bien sûr. Des pays en guerre où la seule loi qui fait foi, c'est la loi du plus fort, la loi du mieux armé. Quand j'étais arrêté à Beyrouth, ce 8 mars 1986, il n'y avait pas de quoi paniquer dans un premier temps, c'était juste un contrôle de routine, par exemple, cela pouvait être. C'était l'expression de la loi du plus fort, une milice qui montre ses muscles, qui nous intercepte avec mes confrères. Mais on n'est jamais à l'abri du pire. Au bout de quelques jours, j'étais dans une pièce close et aveugle. Un groupe de types armés et cagoulés rentre dans la pièce avec un paquet de chaînes dans les bras. C'est là où mes yeux devaient ressembler à des points d'interrogation. C'est le moment de l'incrédulité, le moment de la stupeur. C'est le moment où tout bascule, en fait. C'est le moment où l'homme moins libre devient un moyen et non une fin, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme. J'étais devenu un otage politique. Je vais donc vous parler d'absence de liberté. C'est là où, en fait, j'ai vécu
l'arbitraire le plus absolu dans la privation de liberté. Mais penser allait toujours vers un même questionnement. Est-ce que cette situation m'amenait à la mort? Les questions, mon cerveau se frottait sans cesse et toujours à quelques questions comme quelle solution? Se suicider? Se battre comme un dératé? Regarder le tireur dans les yeux au moment sentir et comprendre quand allait arriver le dernier moment? Et toutes ces considérations m'amenait systématiquement au même point de rendez-vous. Il fallait que je sois prêt. Il fallait que je tente d'être digne. Mes cadenas, parce que j'avais des cadenas avec la chaîne, étaient détachés 3 fois par jour. C'était le temps de la promenade, de la toilette et du repas. Selon l'humeur du garde, c'était jamais dans le même ordre, bien sûr. Et puis, de temps en temps, la promenade ou le repas était zappé. Enfin, je vais essayer d'être honnête quand même, parce qu'il faut que je vous dise qu'il y avait quand même une vraie part d'humanité dans la manière d'attacher les cadenas. Selon le moment, il faut quand même comprendre qu'il y a une marge entre avoir les deux chevilles et les deux poignets attachés chacun d'entre eux par un cadenas, ça fait 4 cadenas un jour, et le lendemain, simplement les deux chevilles attachées chacune d'entre elles par un cadenas. Ça fait 2 cadenas. 2 cadenas d'économiser, c'est toujours ça. Un jour. Ah oui, parce que ce n'est pas tout. Ça serait trop facile. Non, il y a vraiment quelque chose de très pervers dans ce genre de situation. Ce n'est pas une prison, ce genre de détention. Il y a un côté pervers. Vous avez tous appris, comme moi, pourquoi et comment les égorgés de Daesh n'ont pas l'air trop stressés lors des vidéos que je n'ai pas regardées. En fait, Daesh les prépare en faisant des simulacres d'exécution. Ce qui fait que le jour de l'exécution proprement dit, les condamnés ne s'attendent pas à être tués. Pour moi, il y avait aussi un côté comme cela, sympathique. C'était une tentative, une volonté de me désinformer, de me déconnecter de la réalité. Et le peu de mots qui sortaient de derrière les cagoules, c'était des mensonges. Ton père n'est plus avec ta mère, par exemple. Et me montrer L'Orient le Jour, la couverture de L'Orient le Jour, qui est le quotidien libanais en langue française. Il y avait une photo de mon père avec une dame, la femme de notre otage, en fait. Et c'est vrai que le commentaire pervers appuyé là où ça fait mal, savoir son propre père dans Beyrouth en guerre, en train de chercher son propre fils, c'était douloureux, vraiment. Un jour, j'étais debout, au bout de mes 2 mètres de chaîne, et un garde rentre avec sa kalachnikov, il claque des doigts et il me dit « coucher » comme le ferait un chien. Moi, ben, le héros que je ne suis pas, très calmement, je lui dis non, tout aussi calmement. Et je venais de créer, en fait, sans le savoir à ce moment-là, le plus fort des leviers sur le chemin de ma résilience, sur le chemin de ma dignité, sur le chemin de ma survie aussi, de ma survie pendant la détention. C'est le moment, en fait, où j'ai pu bouger les lignes dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport aux gardes. D'ailleurs, la manière dont ils m'ont traité après en est la meilleure preuve. Bon, on n'allait pas croire que j'allais au cinéma tous les soirs après cela. Mais quand même, il y avait un petit changement. Accepter, mais pas abandonner. C'était mon mantra. Parce que la liberté s'use si l'on ne s'en sert pas. Accepter, c'est commencer à créer sa liberté.
Ne pas abandonner, c'est s'inscrire dans le temps. Parce qu'il y a un champ du possible au bout de 2 mètres de chaîne. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. Ce n'est pas de moi, hein. C'est de Pindare, poète grec. Mais moi, n'empêche que j'ai parlé à mon âme pendant ma détention. J'ai parlé à ma douleur. Je lui ai demandé d'être calme. Et je dois reconnaître que cette distanciation, cette hauteur, avait une vraie vertu thérapeutique. Vous avez remarqué, dans la vie, on a tendance à ne pas faire face tout le temps, à tourner le dos, se mettre de profil. La douleur, l'accident, eux sont vérité. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il faut envisager le réel, que avoir l'exigence de faire face, c'est commencer à gagner en liberté. Soyez le capitaine de votre âme, disait Mandela. Dans mes rêves les plus fous, c'est pas interdit, au bout de mes 2 mètres de chaîne, j'avais les bateaux les plus beaux, les femmes les plus douces. Je faisais les voyages les plus magnifiques. Et alors surtout, j'avais une sensation incroyable, je pouvais voler. Je survolais les campagnes parfumées, des paysages magnifiques. Et rien ne pouvait m'arrêter. Plus concrètement, les déflagrations alentour, les tirs des armes automatiques, le bruit monstrueux des chenilles, des blindés, le stress des gardiens me ramenait à ce que j'étais, à ma condition fragile. Hein. Fragile, suspendu au bon vouloir des négociations internationales, au bon ou au mauvais hasard. Bon, vous devez vous dire, dans la même phrase, celui-là, il est resté attaché trop longtemps, parce que dans la même phrase, il nous parle du réel et de son vol d'albatros. Bon, d'accord, c'est vrai, je suis resté attaché trop longtemps, mais c'est dans ce temps que j'ai pu construire un pont entre celui qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Celui qui accepte, mais qui n'abandonne pas. C'est cela, être capitaine de son âme. C'est maître du sens. Ma réponse au gardien est le fruit de cette quête de sens, du travail aussi personnel, du temps. Elle est dite de la voix blanche de celui qui traverse le désert, de celui qui traverse les peurs, toutes les peurs, de l'effroi à celle qui reste collée dans la bouche, parce que la peur aussi a un goût. Ah oui, évidemment. Je dois vous dire l'étonnement du garde quand même à ma réponse. Il était sûr de lui, armé, cagoulé, et un type enchaîné, barbu, hirsute, venait de lui dire non. Il est sorti de la pièce, il est tourné talon, il est allé chercher ses supérieurs, ils sont revenus, plusieurs cagoulés, armés, j'avoue que je n'en menais pas large. Ils se sont assis en tailleur autour de moi, et en fait c'est là où tout bascule, où tout change, parce que il y a une conversation entre eux et moi, presque civile, presque courtoise, surréaliste. Et j'ai pu prolonger la fermeté de ma posture avec le garde en étant déterminé sur un point non négociable. C'était ma dignité. Alors j'ai aussi la présence d'esprit de savoir lâcher du lest, de dire « bon les gars, vous voyez, je suis un otage modèle ». Je ne fais pas de crise de nerfs, mais il y a une limite. Et la limite, c'est moi qui la pose. La réflexion de l'homme qui n'est pas libre
est presque la même que celle de l'homme libre. Elle s'accroche à deux aspérités, l'espoir et la dignité. Parce qu'il y a autre chose au-delà de la vie, au-delà de la mort, au-delà de la liberté même, il y a la dignité. La dignité de l'homme, notre statut d'être humain. La dignité de l'homme debout avec un grand H. Parce qu'on peut être digne en étant privé de liberté. Mais je pense qu'on ne peut pas être libre en étant privé de liberté, de dignité, pardon. Accepter, mais pas abandonner, je vous le redis, c'est moi qui pose la ligne. C'est moi qui pose la limite. Merci.